Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Matin, nous allons aller continuer avec l'étude, non? L'étude que nous commençons depuis quelque temps du livre du prophète Ésaïe. Côté que nous allons étudier Ésaïe, chapitre 60, et la partie de verset 10 jusqu'à verset 22. Mais on a fait un petit résumé de Sainte-Éloi dans verset 1 à l'infra et brièvement. Dans Ésaïe chapitre 60, il y a un côté Jérusalem pour aller encore plus belle. La plus belle que j'en ai avant. Bien, on parle bien belle. Pour aller rebâtir bien belle. Abaya attire attention au peuple Israël là, sous lumière qui a clairé, tandis que l'autre nation yo yo fait noir. Et l'autre nation yo yo pral dégager pour mettre en rack, puis reçu la tabine bon anti-éclairage dans lumière, peuple Abaya dans lumière qui a clairé, peuple Israël là. Et dans la même question, Sato, l'Éternel a attiré l'attention du peuple Abaya sur toute qualité merveille qui pourrait passer dans un moment ça. Pour que, eh bien, moun tout partout, notamment, moun dans le pays de Bajot, moun dans le pays Kida, qui pourrait voir le mouton, le bélier, le peuple Israël là, pour être capable de faire service pour Abaya. Nous avons fait des sacrifices pour Abaya. Sacrifices que Abaya lui-même lui remet en pire. Et pendant que le prophète Esaïe, il a regardé tout le monde qui a passé en ce grand jour, Esaïe a un beau tableau devant lui qui a passé en ce ciel-là. Il y a un paquet de monde qui a plané en l'air. Et Esaïe a demandé qui est-ce que nous avons fait? Il y a plané en l'air quand vous êtes. C'est pigeon qui a tourné dans le jour. Et bien, bon monde, ça, c'est le monde qui va ressusciter, glorieux, et qui a accompagné le peuple Israël. Le monde, c'est le monde qui était mouru dans le Seigneur, et qui a accompagné le peuple Israël, là, qui a tourné, eh bien, la caillou. Mais à partir de verset 10, dans le livre d'Isaïe, Abba après encore fait d'autres déclarations. Abba après parler avec Jérusalem. Et lorsque le texte a dit nous, Abba parle avec Jérusalem, ça ne dit pas que de bagaille. C'est même bien lorsque un président pays qui campe dans le palais national, la capitale de Port-au-Prince, ou bien le président des États-Unis, Washington, et il dit ok, il peut parler à Washington. Quel président veut parler à Washington? Washington, c'est la capitale des États-Unis, par exemple. Et Washington, c'est le centre du gouvernement. Et bien, le peuple parle à Washington, c'est lui qui peut parler avec le peuple américain. Le président d'Haïti, il peut parler avec Port-au-Prince, un palais national, il peut parler avec le peuple haïtien. Abaya, il peut parler à Jérusalem, il peut parler avec la capitale spirituelle, religieuse et politique d'Israël. Et il voulait parler avec le peuple d'Israël. Et bien, on nous garde ensemble. Qui message à partir du verset 10 que Abaya a gagné pour Jérusalem? Qui message a gagné pour le peuple d'Israël là? Verset 10. Ésaïe chapitre 60. Qui est votre titre? Jérusalem. Pour aller camper. Bien bel homme. Verset 10, pour arriver, verset 22. Seigneur a parlé à la ville de Jérusalem. Il dit comme ça. C'est mon nation qui va rebâtir Mirai New York. C'est roi du haut qui va servir une domestique. Ne colère moi. Mon opinion.
Mais je me pitié pour nous, parce que je me beaucoup d'autres. Ah ben, voyons un message pour Jérusalem. Et message Jérusalem, c'est un message qui est adressé à peuple Israël là, quel que soit côté que peuple a dans le monde là, y compris nous-mêmes, peuple haïtien qui se descendant d'Israël selon la chair, qui est venu dans l'esclavage dans les Amériques et qui jusqu'à présent, nous en exil, nous par la caille, nous par nous de la diaspora. Abba a parlé avec nous, dit nous que c'est mon autre nation qui va rebâtir Mirai nous. Mirai Jérusalem, c'est mon autre nation, c'est pas nous qui va rebâtir, c'est mon autre nation. Et qui est mon autre nation, ça qui va rebâtir les murs de Jérusalem. Abba dit, c'est royaume qui va être mon domestique. Roi. Moun qui chef, moun qui autorité dans notre pays qui t'a maspiné nous, pays qui t'a fait passer misère, pays qui t'a mis en esclavage. C'est yo qui va servir nous comme domestique, comme reste avec pour capable construire les murs de Jérusalem. Avec François, pour dire que, comme Israël, l'homme. Nous colère parce que Ababa était fâché. Pourquoi Israël? Pourquoi il était fâché? Parce que Israël disparaît le mal. Israël disparaît malédiction. Et bien, Ababa dit, OK, nous colère, nous te punis nous. Oui, nous te punis nous parce que nous te faisons faire colère. Mais, me répétiez pour nous parce que moi, mon cœur. Et parole ça que Ababa, il dit à Israël, il dit à Jérusalem, nous verset dit ça. C'est même pas aux accords de Dieu déjà dès le début, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 1 à 10. On regarde ce que ça dit dans le verset 11 là. Le verset 11 là. Abba continue à parler avec le peuple de Jérusalem, avec le peuple d'Israël, il dit, pourtant nous, après tel oui, la journée pour la nuit, il n'y a pas besoin de fermer pour voir l'autre nation qui a porté toute richesse payée la caille. Portail, ville, Jérusalem, le pape fermé. Il a plus vu la journée pour la nuit. Pourquoi ça me fermer? Il va me fermer. Parce que, ou l'autre nation, il a porter toute richesse payée la caille. Et richesse, c'est pas richesse qui a été faite avec l'argent ou non, avec force. Non, c'est richesse qui est sous dos nous. Là, on te met en esclavage. Et jusqu'à présent, quand ils continuent à tout piser nous, eh bien, Abaya promet pour que barrière la caille nous. Pour Jérusalem, il y a plus de la journée que la nuit. Il n'y a pas besoin de fermer. De toute façon, pour voir l'autre nation, yo. Nation qui a tout piser nous, yo. Nation qui met en esclavage, yo. Nation qui prend toute richesse nous, yo. Eh bien, il y a retourné la caille. À Jérusalem. Et bien, ça vous a côté de Dieu. Parce que il y a détruit toute nation, à tout roi, qui va aller servir nous. Il y a crasé le pays, ça au nord d'aller. Donc, roi l'autre nation qui va aller servir nous. Roi l'autre nation qui t'a pris nous et qui te l'orgueil, monte dans le cœur. Vous ne pouvez pas venir pour te richesse, vous ne pouvez pas venir servir nous. Vous ne pouvez pas venir montrer miracle pour nous. En tant que domestique, non. Eh bien, Abaya promet que la crasse est tout le pays, ça va net aller, et même très sûr, pas pour l'enfant. Donc, si vous comptez, vous commencez à préparer, parce que dans ce texte-là, Abaya dit que tout ça, parlons pour vivre. On regarde le verset 13-là. Verset 13-là, Abaya continue par la papier à la Lydie. Il a porté plus belle pied pour aller dans le pays Liban. Pichemin, Pissède, Aguadom, la caille nous, pour décorer tant qu'il n'y a pas pour moi, pour embellir côté Mouritéa. Donc, tant pas Baya, pas oublier, c'est à Jérusalem, tu as planté. C'est l'armée romaine qui crasait ton plan, qui d'abord pillait ton plan. Ils ont mis de 10 feux la dernière. Le 25 septembre,
de l'année 70. Que Titus, commandant l'armée romaine, avec papal Vespasien, qui était empereur romain, c'est eux qui organisaient tout le monde de l'Israël. Eh bien, Abaya promet que moun a porté plus belle pied bois dans le pays Liban. Il a porté pied pichepin. Il a porté pied bois, pied cèdre. Il a porté bois d'homme. Il a porté la caillou pour que il soit capable de décorer tant qu'il n'y a pas pour Abaya. Et c'est toujours roi domestique, nous, qui a fait le bassin misère. C'est eux qui ont fait le travail d'Israël. Ils ont embelli côté Abaya. Parce que c'est eux qui ont écrasé. Eh bien, Abaya fait retourner, reconstruire nos commandes. Avant le verset 14 là, pour nous encore quelques messages que Abaya a quitté pour nous-mêmes. Abaya dit que dans le verset 14 là, petit monde qui t'a maltraité nous, va venir nous tête baissée. Tout le monde qui t'a passé nous dans la bêtise, voilà, je nous, dans pied nous. Il a relé nous, la ville Seigneur. Mon Sion, qui pour Abaya, bon Dieu, peuple Israël là, qui ont bon Dieu à part. Moun ki dapal rete nou yo. Ki le mette nesta vanyo. Yo pa la. Men pitit yo la. E abaya, probèp nou ke pitit moun sa yo pral ki tap maltrete nou yo, ya vin joun nou tet besè. Ya vin joun nou tou mont. Yo pap ka leve tet devan nou. Le papa yo, ou bien gran papa yo, ou bien gran gran papa yo, te mette nesta. Nous ne pouvons pas lever tête devant eux, et bien, fois ça, c'est eux qui ont marché devant nous, tête baissée. Et tout le monde ici, là, qui a passé nous la bêtise, ils vont acheter nos pieds. Ils ont fini pour tout ça que nous gagnons. Ils ont fini de torpiller nous. Ils ont fini de battre nous. Ils ont tué nous. Nous sommes des petits mondes. Dans le début des années 70, c'est qu'il y a un groupe entier qui était laissé grand. Qui te fait un chantier que nous te remets en pile, même pas connaître si c'est de nous que les aigles ont parlé à l'époque, parce que même pas connaître si c'est de nous qui sommes en esclavage. Les aigles ont fait un chantier, ils battent nous, ils maltraitent nous, notre travail pour rien, ils battent nous, ils maltraitent, etc. Si nous faisons tout, nous avons un chantier, ça, oh, les aigles sont groupés entiers, que nous pas connaître si c'est le même monde qui était avec nous. Mais pourtant, nous tous nous sommes sortis du même côté, puisque nous sommes petits, Jacob, nous sommes sortis dans l'esclavage. Le pays dominateur, le métro dominateur, te mettez nous. Et puis, ils battent nous. Ils maltraitent nous. Ils passent tout à l'heure misère. Et bien, Abaya dit nous que petit monde qui t'a maltraité nous, va venir nous tête baissée. Et tout le monde qui t'a passé une bêtise, voilà, à genoux, dans pied nous. Ils ont fini de maltraiter nous. Ils ont fini de faire tout plein de bagailles. Ils ont fini de dire au pays le plus pauvre de l'hémisphère, etc. Alors que qui est-ce qui a pauvre? Qui est-ce qui vole l'économie? C'est eux encore. Eh bien, Abba a dit que tout le monde qui a passé une bêtise, pour well, à genoux, nous, pied, nous. Il a réelé nous la vie Seigneur. Donc, nous, ça, non seulement, il a mis à genoux, nous, pied, nous. Mais après nous, la ville Seigneur, et après nous, la ville bon Dieu, et après nous, la ville Abaya. Et mon signon, qui vous bon Dieu, pas Israël là, qui est bon Dieu à part. Donc, il y a après nous, mon signon, il n'y a pas nous tout le monde. Il n'y a pas nous tout le monde. Nous qui réellement semblons avec nous. Non pas nous. Il y a après nous, la ville Seigneur. Il y a après nous, mon signon. Qui pour bon Dieu Abaya, peuple Israël là, qui ont bon Dieu à part, parce que bon Dieu Israël là, qui partage pour bon Dieu, l'autre nation yo, qui c'est des dieux qui fait avec, mais c'est même monde qui fait yo, qui a un jeu pas ouais, qui a un joueur qui pas attendre. Parce que Abaya pas loin, soit Abaya unique, après lui, pas gagné l'autre, avant, pas de gagner. On regarde le verset 15 là, pour nous encore, pour notre message. Israël,
Mwen pa vire do ban nou anko. Yo pa brayi nou anko. Nou pa prete san person pou vizite nou anko. Ma fèm moun nou yo toujou kontan wè nou. Ya fè fèt peti nanti. Abaya, kite pepli ya ka viv a la fin de tan. De mesaj intéressant, de mesaj d'espoir. Kon ki rabe a promet ke li pa vire do ban nou anko. Abaya te vire do ban nou parce ke nou te lage abaya, men nou pa plage, nou pa karage abaya anko. E en konsekans abaya, vire do ban nou anko non plus. Yo pa brayi nou, parce ke pli nan brayi nou yo diya. Ya, yo pa vle wè. Et si nous voulons ça, à l'étudier, à somme 83. Et somme 83, à ça, ben, c'était non toute nation, ça a pas le roi Israël. Et nation, ça a eu encore là. Il n'y a changé de nom, mais il y a encore là. Il parlait de Amalécitio. Il parlait de bonne famille Agayo, de bonne famille Israël, Ismaël. Il parlait de bonne grâce, mon Edom. Nous connaissons Edom, c'est frère Jacob. Mais Edom avec Jacob, c'est deux clans séparés. Jacob, c'est peuple éternel. Là, Edom, c'est peuple serpent, c'est un gars comme ça. Tout le monde, ça y est, somme 83, dis-nous que le monde, ça y est, il peut faire plein pour ne pas jamais citer nos Israël encore dans le monde là. Et ça fait que il a parlé des 12 tribus d'Israël, il a parlé des tribus dispersées ou bien des tribus disparues, de monde qui parle encore. Mais Abaya, on n'est que nous là, et nous la pirette. Abaya dit que, il n'a pas brahi nous encore. Comme des monde brahi nous encore. Nous ne pas prêter 100 personnes pour visiter nous. Je dis à c'est nous qui avons boumé pour nous si nous visité, si nous avons pris un terre pour nous aller dans la caille. Mais bon, le cas privé, c'est yo qui a vu la caille nous. C'est yo qui a cherché à venir visiter nous. Nous avons déplacer la caille nous. Et le conseil politique, m'a fait nous toujours pour nous. Nou. Pas que nous avons pris nous encore. Mais nous avons toujours pour nous. Nou. Parce que nous changer. Nous pas moun que nous hier encore. Moun qui a désobéi à la loi, moun qui a mis la Torah de côté. Ni moun qui a enseigné, moun qui a mis la Torah, mis la loi de l'éternel de côté. Et le terminé verset 15 nous dit, il a fait fête de titre en titre. Il a fait fête pour nous. Je dis, il a fait fête. Yo mette uniforme sur nous pour nous servir comme domestiques. Mais je vous avais réprouvé, c'est yo qui a fait pour nous. C'est yo qui a préparé gâteau pour nous. C'est yo qui a préparé manger pour nous. C'est yo qui a venu servir nous. Quel grand jour ce sera. Quand nous regardons le verset 16 encore, ton message que Abaya a quitté pour nous en tant que peuple qui ne sommes pas venus à la fin des temps. Et le verset 16, Abaya, pour nous dire, l'autre nation, yo, un c'est ma croix, yo. Va prendre soin de nous tant que nous nourrissons la petite de laisse à la connaître, c'est moi-même, Seigneur, qui sauve nous. C'est Abaya, bon Dieu, peuple Israël là, bon Dieu Abaya, qui a tout pouvoir, qui délivre nous. L'autre nation, nous ne pouvons pas citer nous, nous connaissons pas. Parce que le monde a deux nations, pas plus. Montre qu'il y a deux nations, pas plus. Le peuple d'Israël et Edom. Edom, c'est toute l'autre nation qui mettait ensemble pour combattre le peuple d'Israël là. Et la part du peuple d'Israël là, c'est pas Israélien, non, c'est Israélite. Israélien, c'est le monde qui devine habiter la nation d'Israël là en l'an 725-722 avant Jésus-Christ. Le règne de Salmanazar, roi de la Syrie, qui était arrêté, tout Israélite, des tribus d'Israël qui étaient allés avec eux
en exil, en esclavage, à Ninive. Toute nation, ça a eu. Qui t'a fait nous abus? Ah ben, a dit que nation, ça a eu, ensemble avec roi, va prendre soin de nous. Donc, on nous risque à belle pétrité. Il a pleuvé nous en l'air. Il a mettre nous cette couleur bleue de nous aller à mettre sur le sport, marquer au pied, nous têter, de côté mon petit, de côté bébé. Tellement il a pris soin de nous, il a pris pour nourrice. Nourrice avec une femme qui fait accoucher, qui a belle petite tête, tellement, ou à l'autre nation, a pris en considération. Et texte là, frère, oui, ce n'est pas nous qui disons, c'est texte là même qui dit, l'autre nation, yo, ensemble, avec royaume. C'est-à-dire que ni habitant nation sa yo, ni roi nation sa yo, y a pris soin petit Abaya yo, y a pris soin petit Israël yo, y a pris soin peuple Israël là, tant qu'on nourrisse, tant qu'on femme qui a accouché, qui a belle petite tête, c'est comme ça prend soin nous. Et là, ça, on a connaissé Abaya même, Seigneur, nous, c'est lui qui sauve nous. Et c'est ça le salut. C'est ça le salut. Parce que Abaya, non seulement la grâce simple pour nous retourner à la Caïne, pour nous retourner à Jérusalem, pour nous retourner sur la terre d'Abraham, Isaac et de Jacob, mais toute l'autre nation, qui a tout visé nous, qui a volé nous, qui a fait un travail dur pour nous, eh bien, il va prendre soin de nous, tant que c'est nous qui risquons de faire petit petit bébé le tété. Il est ça. On a pour vous comprendre que c'est Abaya même Seigneur qui sauve nous. On a pour vous comprendre que peuple, c'est bon Dieu Abaya, peuple Israël là. Bon Dieu qui a tout pouvoir. Eh bien, bon Dieu ça, c'est lui-même qui délivre nous. On nous garde maintenant le verset 17 là encore, parce que son chapitre qui charge le message. Et verset 17 là dit nous. Ma feuille pote l'or pour nous ne pas suivre. Ma feuille pote argent pour nous ne pas faire. N'a gen cuivre, ne pas bois. N'a gen fer, ne pas roche. Ne pas chef qui t'a pesé de l'eau. Ma mère de chef qui a fait nous vivre à quel posé. N'a pas chef qui t'a foussé nous, yo. Ma mère de chef qui a fait ça qui doit. Arrangement, planification que la mère a fait pour que y a à l'avance, c'est bagage extraordinaire. Et ce sont des prophéties qui en voie d'accomplissement et que n'a plein de réalisation yo, très bientôt. Et après, clair pour dire nous que l'affaire porte l'or pour nous dans la place cuivre. Je veux dire, nous ne pouvons pas servir à l'or. Parce que nous n'avons pas de moyens pour ça, nous n'avons pas de moyens. Alors que la caille, nous plaît l'or tout en battant nous. Mais yo, venu exploiter yo, et nous sacrifions au cal de sa vie. Eh bien, après, promettre nous que même nation ça y qui t'a tout pisé nous, même nation ça y qui t'a mis en esclavage, même nation ça y qui t'a ramassé tout ça qui l'a caille nous, puis elle fait richesse, l'or, diamant, etc. Et bien, Abba a dit que la fait toute nation, ça, tout le monde, petit, on va connaître, il a fait porter pour nous l'or dans la place cuivre. Il a fait porter pour nous l'or dans la place cuivre. Il a fait porter pour nous argent dans la place fer. Bon bagan l'argent, pas qu'on est. Mon chèque en argent, sans doux en argent. Sans nous deux, ni pour nous mettre dans nous pour faire chèque bien, non. Il dit que, il y a une crise, il y a une place bois. Ce n'est pas chèque en bois, là maintenant pour nous. Ni ce n'est pas chèque net en bois, là maintenant pour nous. Ou bien un ceinture, nous, pas qu'on est, ou bien un pont, non. Eh bien, c'est un cuivre. Selon nécessité, nous selon besoin. Et le conseil vous dit, ne place chef,
qui t'a pesé nous. Mamie était chef qui a fait nos vivants qui imposaient. Vous ne pouvez pas être chef qui a fait le peuple d'Israël là. Qui était mauvais chef. Soit Israël dans le nord, avec les distribués. Soit Israël dans le sud, avec les deux autres tribus. En plus, il n'y a pas de mon chef. En plus, c'est eux qui conduisent Israël dans l'iniquité. C'est eux qui conduisent Israël dans l'idolâtrie. Et Israël suivent eux. Judas suivent eux. Et qui fait autrement de ça que eux. Eh bien, Abba promet le peuple d'Israël là. Il dit, n'est pas chef qui t'a pesé, n'est pas chef qui t'a poussé. Eh bien, la bonne chef qui a fait vivre à terre posée. Il a fait vivre en façon pour que l'autre nation pas une nuit encore. Parce que c'est chef qui t'a fait ça, pas ça. Il veut que Abaya délague sa malazan encore. Il veut que Abaya délague Nebuchadnezzar encore. Qui veut que Abaya délague Senchérib encore. Qui veut abattre la guerre? Titus, la Vespasienne encore. Eh bien, Abba a dit que, la place, mauvais chef, c'est qui t'a pesé de nous. La mettez pour nous, chef qui a fait nous vivre à pied posé. La place, chef, qui t'a poussé de nous. La mettez chef, qui a fait ça qui doit. Parce que Abba a besoin de monde qui a fait ça qui doit. Qui est-ce qui a fait ça qui doit? C'est monde qui a observé le commandement de nous. Monde qui a observé la loi. Monde qui a observé la Torah. Nous avons besoin de l'ordonnance de l'éternel. C'est Moussaï que l'éternel a mis pour diriger le peuple. Mais il n'y a pas qu'un chef insoumis. Il n'y a pas qu'un chef qui contre la loi de Dieu. Il n'y a pas qu'un chef qui a dit mon Dieu, pas observer le sabbat. Mangez tout ça que nous voulons. Non. Ah ben, il n'y a pas besoin de Moussaï aux chances de diriger le peuple encore. Ça ne va jamais faire encore. On regarde le verset 18 là, maintenant. Nous avons pris le message. Il y a un guide pour nous. Et le verset 18 là. J'ai 18 là. Donc, Abaya, il continue par le président, il dit que le peuple des mondes fait méchanceté dans le pays encore. Le peuple dévalise le pays encore. Ni le peuple crasé, m'a servi nous rempart. C'est moi-même qui a protégé nous. M'a servi nous portail, t'as fait loin joint. Les promesses à Bayao, c'est promesses qui sont certaines et véritables. Nous mettons quoi dans même si on ne peut pas accomplir, mais le temps viendra. Et l'Éternel dit nous ça, tout le même fin chapitre ça, l'avenir, je le promets, l'IA. Le pays ça, Israël, contre que Abba mène nous, c'est contre Abraham, mais qui était obligé de quitter parce que tu ne fais pas ça. Eh bien, sous terre, ça qui va être restauré, qui a mené nous, a promis nous, dans le pays ça, il n'y a pas de monde qui fait méchanceté dans le pays ça encore. Le mal, pape dans le pays ça, monde pape dévaliser le pays ça encore, ni monde pape qui a crasé le pays ça encore, monde pape qui a titus encore pour venir craser le. Pas de Vespasien encore pour venir craser. Pas de Nebuchadnezzar encore pour venir craser. Pas de Belshazzar encore. Pas de Salmanazar encore. Pas de Senkerib encore. Non, on ne sait pas pour venir encore. Abaya, pour mettre le peuple d'Israël là, c'est lui qui a servi rempart. On ne sait pas rempart. Eh bien, rempart, il aime ses côtés. Que le mettre muraille pour empêcher que l'ennemi entre. Et bien, c'est Abaya lui-même qui a servi rempart. Parce que c'est Abaya lui-même qui a protégé nous. Abaya, c'est lui qui a servi nos portails et n'a fait l'envie. Nous sommes dans le début de texte, il dit que pas de barrière pour entrer Jérusalem parce que barrière, parce que Jérusalem était ouvert la journée pour la nuit. Pour que les rois de la terre, les gens qui ont pris nous, les gens qui ont volé nous, les gens qui ont pesé nous, les gens qui ont soucié nous, pour que toutes les richesses viennent nous. Je dis à ces richesses qui ne peuvent pas avoir de problème. Mais nous ne pouvons que nous souviendra.
le jour viendra. Et c'est ça que Abba a dit dans le verset 10-là. Pas de ni cri, ni deuil, ni douleur, pas de bain comme ça encore. Pas de bain dévaliser nous encore. Pas de bain créer nous encore. Pas de bain comme ça. Verset 10-là. On regarde qui ça que Abba a dit comme message. Le verset 10 dit que c'est pas le soleil là qui va éclairer nous la journée. Nous n'avons pas besoin de qualité là, nous là, pour éclairer nous la nuit. C'est moi-même, Seigneur, qui va servir nos lumières pour tout le temps. C'est bon Dieu à bailler à nous, pour lever tête nous. Quelle belle promesse! C'est pas soleil, mais pour là, c'est soleil qui a éclairé nous. La journée. La nuit, c'est la lune qui éclaire nous. Mais c'est ce que nous allons aller. Eh bien, Abba a dit nous cette fois-ci. C'est parce que le soleil a pris nous la journée. Non. Nous n'avons pas besoin de soleil pour que nous la journée. Nous plus sous la nuit. Nous n'avons pas besoin de la lune pour éclairer nous. Pour qui ça? Parce que c'est Abba même qui va servir une lumière pour tout le temps. C'est Abba même qui va servir une lumière pour tout le temps. Et c'est Abba, bon Dieu noir, qui va lever la tête nous. Donc, ce monde que Abba a préparé pour nous, cette Jérusalem, que je dis à qui occupé, Jérusalem qui après désoccupé, pour que Abba lui-même, il prenne un règne et pour habiter ensemble avec le peuple. Et le verset 20, on regarde encore qui l'autre message que Abba a. Donc, il quitte pour le verset 20, il dit nous comme ça. Soleil nous n'a pas jamais couché encore. La lune nous n'a pas jamais disparu. C'est Seigneur même qui peut servir nos lumières pour le temps. De la fonction du fini. Alléluia. Abba a dit que soleil nous n'a pas jamais couché. Il est soleil nous, c'est Abba, soleil nous. La lune nous n'a pas jamais disparu. Il est la lune, c'est Abba, qui la lune nous. Et c'est Abba même, Seigneur. Qui va servir une lumière pour tout le temps, tout le temps. Et Abba dit-nous que jour l'affliction nous est fini, jour problème nous est fini, jour difficulté nous est fini, jour esclavage nous est fini, jour misère nous est fini, jour rasé nous est fini, jour grand goût nous est fini, jour pas qu'à manger nous est fini, jour pas qu'à boire nous est fini, jour maladie nous est fini. Et c'est ça que la pauvre Jean. Et dit, nous avons nous n'a plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Parce que tout le bagage va disparaître. Verset 21. On nous garde qui s'accueille encore à Babel, nous comme message. Il dit nous que tout le monde, le peuple, nous va faire ça qui doit. Il a arrêté dans le pays pour tout le temps. Tant pour créer un jardin, moi, c'est moi qui plante. C'est moi qui fais avec moi, comme qu'a fait tout le monde pour pouvoir. Moi, Abba déjà connaît comment le peuple a pas comporté. Abba dit que tout le monde, le peuple, nous, on va faire ça qui doit. Pas que le monde qui a dit que pas de loi encore. Pas que le monde qui a dit que comme Abba n'a pas la mort encore. Pas que le monde qui a dit que loi Abba n'a pas rien de loi cérémonielle, loi morale. Non! Tout le monde, le peuple, nous, on va faire ça qui doit. Tout le monde dans le peuple va observer la loi de Dieu, comme il a dit déjà, verset 1, verset 20, à la loi et au témoignage. Si nous ne pouvons pas parler comme ça, le peuple a toujours fait noir. Pas bien fait noir pour le peuple d'Israël là encore, parce que le peuple a fait ça qui doit. C'est là qu'on fait ça qui est mal, c'est là qu'on met la loi de côté, c'est là qu'on a fait noir. Mais de quoi faire ça qui doit, et bien lumière là pour jouer tout le temps, comme nous trouvons verset avant. Et le conseil de Dieu, il y a un pays, il y a pour tout le temps. Israël n'a pas gagné pour l'exil encore. Israël n'a pas gagné un pharaon encore. Israël n'a pas gagné de Boukhanedja encore. Il n'a pas gagné Saint-Kérib ni Salmanaza. Il n'a pas gagné encore. Pour bien déplacer Israël, mener l'esclavage. Abba dit que Israël a pris un pays pour tout le temps. Tout le temps. Avec un monde qui a vu l'OCE permettre de nous comprendre qu'on a déplacé. On n'a pas eu comme ça encore.
Il contemple que tant que créole le jardin, moi, c'est moi qui plante. Nous comme ça, ça veut dire créole. Eh bien, l'homme qui est banane pour planter, ben, il grandit sur banane et il quitte son petit créole sur le côté là pour aller boire banane. Parce que mon jardin banane, pas plus vrai que le banane. Ben, il fait créole. Eh bien, Abaya dit nous que le peuple y a tant que créole dans le jardin. C'est Abaya même qui plantait. C'est Abaya qui fait yo avec Meli. Pour faire tout le monde ouais, pour voir que les gens. De la sorte que nous pouvons mettre confiance, nous pouvons placer confiance dans Abaya. Pour nous la nous nommer Abaya et pour bientôt nous jouer avec Abaya, toute belle bagaille ça yo, qui réservé pour nous à Jérusalem. Et verset 22, qui est le dernier verset, le chapitre là, il dit nous, on nous garde ensemble, il dit nous comme ça, famille qui est plus petite dans le mutant noir, pour aller gagner 1 000 mounes. Famille qui va avoir moyen pour aller tourner une relation, c'est moi-même, Seigneur, qui va me miser plus tard. L'élève va arriver. Donc, pour conclure, après, a dit non, famille qui peut pisser dans le monde pour aller gagner 1 000 mounes. C'est la réalisation de la prophétie dans Deutéronome 30. Verset 1 à 10. Quand Abaya dit nous que là nous arrivons à Jérusalem, nous parlons pile petit. Nous avons fait plus petit que ça. Grand-parents nous ont fait. Et bien, dit nous que famille qui plus petit dans le noir, là, il y a 1 000 mounes. Bon, imaginez où fait nos familles qui ont deux petites, qui ont cinq petites, qui ont sept petites, qui ont 10, qui ont 12 petites. C'est pourquoi on a ça. C'est pourquoi on a ça. C'est un million pour quelqu'un, pour petit, 1 000 moules. C'est un million tout petit. Là, il y a au moins 1 000 moules. Il faut au moins un texte là pour qu'on termine avec lui. Donc, famille qui est petite, là, il y a 1 000 moules. Et famille qui n'a pas avoir rien, ou encore qui n'a pas grand-père le monde, là, il y a une grande nation. Voilà. Mes frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la grande promesse de Abaya, ça que Abaya lui promet à chacun de nous, ça que lui promet à petit lieu, à Israël. Ce n'est pas une promesse qui est faite aux nations du monde entier. Ce n'est pas une promesse qui est faite à Moun et Domio. Ce n'est pas une promesse qui est faite à ennemi Abaya, qui s'est ennemi par Abaya. Monsieur ennemi, c'est une promesse qui est faite au peuple Abaya. Et Abaya promet non. Ben ça yo, il a fait quand même. Et je parle pour le fait. Qu'il a fait, je ne pas connaître. Ou pas connaître. Question ça a été posée à Yushra Machia. Dans l'acte des apôtres, chapitre 1, verset 6 à 8. Quand tu as parlé avec deux trois monde parmi les disciples, yo, je te demande Yushra Machia. Je lis comme ça. C'est pour qu'il est même le rétablissement du royaume d'Israël. C'est une question. Je me demande, est-ce que c'est maintenant ça, le royaume d'Israël a rétabli? La question a été posée, c'est parce que tu connais que le royaume d'Israël a rétabli, même si je dis, nous connaissons, même les autres, je ne parle pas de ça, dans l'église, dans la religion, nous. Mais nous connaissons que le royaume d'Israël a rétabli. Et que Abaya a venu chercher le peuple Israël là, qui gagne tout le monde pour retourner la caillou, selon ce qu'il dit dans Deutéronome 30, verset 1 à 10, que nous le répétons tout le temps, jusqu'à ce qu'on a l'île pour nous comprendre et pour nous vivre pour ce que Abaya fait à peuple. Eh bien, promesse ça, Abaya dit qu'il part loin pour le réaliser. Qui l'a fait? L'autre le choix, ma chère question. Il ne sait pas à nous-mêmes. On ne connaît ni qui joue, ni qui l'est, ni qui tend que Abba réalisé. C'est Abba seul, eh bien, qui connaît. Mais ce que nous sommes certains, c'est que les promesses de l'Éternel sont certaines et véritables.
et que le jour viendra, joie pas loin, pour que vous soyez capable de réaliser la promesse, notamment promesse que vous avez rassemblé nous et faire nous retourner là qu'il nous à Jérusalem. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia.